Donc on a commencé sur la première map, notre map Mirage. Donc ouais, on pensait au début qu'on allait mettre plusieurs runes, qu'on allait dérouler. Mais ouais, en fait ils nous ont anti-strat pas mal. On a appris ça, qu'ils avaient anti-strat, du coup on a pris pas mal de runes. Et donc on finit par prendre la map au final, donc on part assez mal parce que voilà, c'était notre map. Ensuite on part sur Inferno. On sait que c'est une très grosse map des White, donc là c'est bon, on perd pas le mental pour autant quoi, on est à fond dedans. On sait qu'on est aussi bon sur Inferno, mais bon voilà, on connaissait aussi leur jeu. Ouais, premier side, donc on met ouais, c'était 11-4, donc là on était super confiants, on déroulait, on savait qu'on avait le mental et tout, on s'est checké bien comme il fallait tout ça. Et après donc en terreau, pareil, on a joué notre jeu, on savait à peu près comment il jouait, et voilà, donc on finit par mettre la map. Et dernière map, donc Kabel, c'est, on sait que c'est une grosse map des White, mais bon alors on était déjà contents, on a fait une bonne map sur Inf. Et donc voilà, on avait tout ce qu'on avait, surtout la hargne quoi, le mental et tout, on donnait tout ce qu'on avait. Le skill après il suivait tout seul. Et donc on a mis 16-6, justement, donc là on leur a roulé dessus. Enfin, on pensait vraiment pas leur rouler dessus comme ça. Enfin, on savait qu'ils étaient très solides et tout, et ça, même nous on était impressionnés, enfin on était choqués de. On a dit c'est le mental qui faisait tout quoi, on était vraiment chaud à fond. Et on sait que quand c'est comme ça, on est trop chaud quoi. Et puis on voyait un peu les White, ils étaient un peu tendus, même à la fin. Moi j'ai vu Fux, il restait c'était un 2v2, et je vois il a lâché un GG, je fais ouais, c'est chaud quand même quoi, mais voilà. On était chaud. Et franchement la scène c'est vraiment un truc de fou quoi, c'est un truc de fou. Très heureux d'avoir remporté cette ESWC, et voilà quoi. Et voilà, le bootcamp ça a payé, on s'est très bien préparé et au final bah, on a gagné. On a eu chaud au pool, bah, comme SWCFR pour le Canada, et voilà. Là on a enfin passé les poules pour prouver ce qu'on pouvait faire dans les BO3 et dans les trucs comme ça. Voilà. Merci Vacarme. Je suis très content après cette finale. On a gagné, je suis encore un peu surpris. Après la première baffe, j'y croyais plus vraiment. Mais je me suis bien fait carrer, je suis content.